Salut à toutes et à tous, c'est Lulu Kill People. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur Halo 3 avec Flo, notre invité du jour. Coucou. Alors ça va bien Flo? T'as passé une bonne journée? Oui, j'ai bien mangé. Ah bon, mais ça, bon, mais c'est l'essentiel. Toi, pour que tout le monde se sente bien, tu vois, pour que tout le monde soit en forme. Tu vois. On va tout niquer là. Ah oui, mais exactement. Surtout que là, c'est la première vidéo que je fais sur Halo sur la saison 3. Et voici un peu le nouveau pass de combat avec. Avec les armures et les persos de Halo 3 DST et des camouflages d'armes et des couleurs de visière de casque sur Halo 3 qui est vraiment vraiment stylé. Non mais franchement, quand on voit ça, surtout moi j'adore là, parce que là jamais j'aurais cru qu'ils allaient sortir des couleurs visières pour les casques sur Halo 3 et surtout des camouflages d'armes. C'est juste magnifique. Oh, le pistolet comme ça là, le Blue Even là, qu'est-ce qu'il est joli. Ah ouais, on peut changer les camouflages pour les pistolets, pour les fusils d'assaut, pour les fusils de combat. Plus, on peut modifier les armures de A à Z, alors que sur les versions d'avant, on pouvait pas configurer notre perso de A à Z ou à part si que sur la 360. Plus, des nouveaux défis. Bon, ça, j'ai pas trop regardé les défis. Puis y a quoi d'autre déjà aussi, il y a même le baptême du feu de l'autre DST. Bon, ça, je verrai plus tard. Pas le temps de tout faire. Oui, voilà. Et c'est parti. Ah, cool, du Team Fiesta, ça va changer un peu. Putain, ouais. Oh, Lucas Noble 6, bon, ça va, c'est cool, parce que le mec là en face, là, Lucas Noble 6, c'est l'un des mecs les plus nuls contre qui je suis tombé. C'est vrai? Ouais, lui il est vraiment nul. J'ai fait du team sniper contre lui. J'avais fait 24-25 kills dans la partie. Lui il en avait fait que 3 quoi. Allez, c'est parti. Ok, ça commence bien. Je m'entretue avec un type. Non mais j'hallucine. Non mais je commence la game avec fusil à pompe et. Ok, d'accord, j'ai rien dit. Ah, aussi, les amis, j'avais oublié de vous dire, il y a les armes de Halo 3 DST sur le multi du Halo 3 normal. Là, j'ai le pistolet du Halo 3 DST, là, qui est vraiment stylé, avec le bruit du silencieux, là. C'est vraiment magnifique. Bah, j'ai le fusil mitrailleur, moi. Ah oui, ouais. Oh. Aussi, oui, il y a même la petite mitraillette silencieuse, là, la petite mitraillette de Halo 2 et le Halo 3, mais là, en silencieux, avec le petit viseur, là, pour zoomer. L'autre, il va croire que je vais jouer cancer en train de spammer avec le lance-roquette. Putain, mais moi, j'ai les bonnes armes, là, j'ai lance-roquette à plasma et épée à énergie, quoi. Chance. Oh. Je spawn tout le temps avec les mêmes armes. Je spawn tout le temps avec le Needler, c'est incroyable. Oh non, sniper. Voilà. Oh, ce que tu lui as mis. quand j'étais mort, je me suis mis sur toi là en mode spectateur là, et là tu lui as mis de cette tête. Non, mais quel abruti, mais je me suis suicidé et j'ai balancé une grenade dans. Oh, du coup, moi hier j'ai joué 6-7 heures d'affilée à Halo 3. J'ai joué à 6-7 heures d'affilée à Halo 3 sans m'arrêter et j'ai fait que du team sniper. J'ai fait aucun autre mode de jeu, j'ai fait que du team sniper. Pendant 6-7 heures d'affilée quoi. Ah ben là du coup là je suis à 96 ou 97 heures de temps de jeu sur Halo MCC, je vais être à 500 heures quoi. Normal.
Bon, par contre, je suis qu'à 21 000 ou 22 000 XP en total sur la Master Chief, mais il y en a un là, youtubeur que je regarde, il est à 150 millions quoi. 150 millions et moi je suis à peine à 21-22 millions moi. Un derrière, t'en as un sur les côtés, alors tu sais jamais qui tue en premier quoi. Ah merde, la partie est terminée. Ah oui, on a pris une sacrée raclée quand même, 50 à 25, ils ont fait le double de notre score. On était pas aidés, je crois. Ouais. Alors là, il m'impressionne, le Cannibal 6, parce que alors là, toutes les parties que j'ai fait contre lui, il faisait que 2-3 kills par partie. Bon, après, du coup, moi, je filme avec ma carte graphique pour vraiment filmer en Full HD sans que ça prenne trop de mémoire et sans avoir trop de pertes d'FPS. En plus, de toute façon, j'arrive à filmer en meilleure qualité avec ma carte graphique qu'avec OBS, que j'ai pas non plus un PC de malade. Toi, tu joues avec l'arme centrée sur l'écran? Non, elle est un peu à droite. Moi, je joue avec l'arme, tu sais, qui est en bas de l'écran, là. Comme sur console. Lance ton live sur le Discord, après ça, je regarde. Merde. Tu sais pas que tu faisais un live sur YouTube? Non, une vidéo YouTube. Ah, ok. Mais c'est pour ça, genre après en fin d'après-midi, je ferai mon montage et tout. Et je pense que je la mettrai sur YouTube demain ou mardi si j'ai le temps. Parce que demain, j'ai ma formation. Merde. Killjoy. C'est vrai que moi, quand je joue à Halo, quand je fais le mode campagne, je mets tout le temps mon jeu en français. Mais quand je joue en mode multi, je le mets tout le temps en anglais. Parce que je trouve que ça fait tellement stylé avec les médailles et tout et avec la voix. Nation. Ah, je trouve que ça fait tellement plus stylé dans les montages et tout. Parce qu'en plus, moi, des fois aussi, je fais des petits edits. Tu sais, genre, je fais des montages où je synchronise les déplacements de mon perso et les tirs de mon arme avec la musique et tout. Et je crée mes propres cinématiques dans le mode studio, dans le mode cinéma, là. Oui, America. Mais moi, j'ai l'impression que les serveurs... Mais ouais, sur les serveurs Europe, ouais, y a que dalle. Enfin. Mais bon, y a un truc qui est cool, c'est que dans la prochaine mise à jour de Halo... On va pouvoir jouer sur la région qu'on veut. On va pouvoir jouer sur les serveurs qu'on peut. On va pouvoir jouer soit sur les serveurs Europe, américains, c'est toi qui choisis dans les paramètres du jeu. Et ça, c'est bon, ça. Ouais, ça va être cool, parce que là, comment c'est la galère pour trouver des joueurs. Là, déjà, ça va être moins la galère, et en plus de ça, il y aura le multiplateforme, alors du coup, ça sera encore moins la galère. Il est plus là. Flo, il est plus. On a perdu notre cher ami. Il est FK et il parle pas. Bon, vas-y, je vais mettre la bulle pour le protéger. Et regarde les deux là, regarde là les deux là en face, en train de m'attendre. Oh putain, merde. Ah bon, ben. On s'est fait littéralement botter les fesses. Et vous aviez pas votre meilleur... votre meilleur atout. C'est bon, je suis chaud. Une fois quoi. Ouais. Alors que là, le jeu, là, il sera lancé en une fois, là. Pour l'écran partagé. Et plus aussi, normalement, c'est à partir du 19 octobre, il y aura la bêta d'Halo 4. Bon après du coup moi je sais pas si je vais pouvoir la tester, je sais pas si j'aurai le code. Bon après j'aurais hâte de voir ce que ça a donné Halo 4 sur PC. Enfin après j'ai jamais trop aimé Halo 4 mais sur console avec la latence c'est pas très agréable à jouer quoi. Bon par contre sur console les mecs ils sont beaucoup plus nuls. Ah mais là quand il va avoir le multiplateforme comment on va se régaler. Bon après ça peut arriver aussi quand on tombe sur des mecs bons sur console avec mais bon.
Et merde. Là aussi, j'arrive pas à croire que les joueurs console vont pouvoir changer leur champ de vision et jouer clavier souris. Et bon, les joueurs console, ils vont pouvoir jouer clavier souris, mais avec un peu de latence. Ça sera pas aussi réactif que sur le PC. C'est comme les gens qui jouent clavier souris à Fortnite sur console. Il y en a qui jouent clavier souris à Fortnite sur console, il y a de la latence. Ah, ça. Triple kill. Y a pas le quatrième. Oh putain, j'avais sniper et lance rocket, j'aurais pu mettre un putain de clip. Je suis dégoûté. Killing spree. Oh, un peu trop pas découvert. Oh non, le deuxième noscopy. Oh excellent. Eh, je suis mort, mais mon cadavre, il est mort, mais debout. Ouais, bah je l'ai eu, t'inquiète, je t'ai mangé. En plus, là, t'es en live, là, sur Twitch. Oui. Oh, merde. Ce headshot qui est mini au snipe. Vas-y, comme ça, si tu veux, au pire, après cette partie, on fait un team double. Ouais. Oh, SWAT guns. Ouais, tu sais, je sais pas si tu l'as déjà essayé ce mode, c'est le mode SWAT, mais que avec les fusils à pompe. Ouais, c'est très bien. Alors là, il va falloir que faire des kills à bout portant, là. Là, il va falloir laisser tomber les kills à longue distance. Passer dans le couloir là, j'ai l'impression. Merde. Oh, attends, juste. Je viens de me faire soulever. Oh ah putain. Ouais, ben là, 19. Il fait trop le malin. On m'a collé. 19 à 5. 20 à 6. Ah, ça se remonte. Non. Vas-y, continue de courir, je suis derrière. Non. Putain, merde. Je savais pas qu'il y en avait un dans mon dos. S'il arrive à me tuer, je devrais aussi réussir à le tuer. Ils sont tirés en même temps. Non, mais j'hallucine. On est à la même distance et on lui avait déjà enlevé de la vie et moi non. Et le mec, c'est lui qui m'a tué quoi.
C'est tellement bon. Oh J'en ai fait un. Et c'est assez fun. Mais j'aime bien ce mode totalement barré. C'est bon, ça a changé? Ça fait quelqu'un qui s'est parti, mangeant. What? Ah, C'est... oh. Connexion interrompue. D'accord, mais ça marche. Bon, du coup, les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, abonnez-vous à ma chaîne et laissez des commentaires. Et avec Flo, on vous dit bonne journée à tous. Journée. Ciao tout le monde, peace.